Hein? Ouais. Non, on fait pas de live aujourd'hui, non? De quoi? Mais je peux pas sortir, mec. Il y a toute la communauté des fans de Jules, là, qui... Mais t'as pas vu sur Twitter? 1400 likes, 1005 même, sur un commentaire. Je me suis fait insulter en DM sur 5 générations, mon gars. Bah attends, mais c'est n'importe quoi, ça. Quoi? Ouais, ouais. Oui, c'est vrai, ils ont 12 ans. Ouais, je sais. Ouais. Ok, faut être compatissant. Mais tu crois que le second degré et l'humour, ça vient avec la puberté ou pas? Ouais, hein. Non, j'ai l'impression que... Non, ça vient pas. Ok. On en reparlera, ouais. Ouais, je vais dire bonjour quand même. Ouais, pousse-toi. Hey, comment ça va tout le monde sur le campus de la Salty Academy? J'espère que vous avez passé une bonne et une agréable journée. Il y a des fans de Jules ici ou pas? Est-ce qu'il y a des fans de Jules? Ok, j'ai un message pour vous. Vous voyez là-bas? Est-ce que vous voyez le bout de la rue là-bas? Ouais. Eh ben allez-y et restez allongés sur la route. Merci. Putain, ils vont pas me saouler, non? Allez, rentrez. Your best teammate. Remember it. De profil, c'est Freddie Mercury. I want to break free. I want to break free. I want to break free. Na 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 na. Get low! Ah, il gueulait comme ça plutôt. Oh yes, I want to break free! Bam, allez, DMCA. Ouais, bon, que de profil. Les fils de pute. On va aller voir RQVX. Non, mais ça se prononce Raven. Parce que le Q en fait c'est un A et le X c'est un E. Mais le N c'est un W et le R c'est un T. Mais c'est plus stylé, tu comprends? Ah, parce que j'anticipe déjà les gens qui vont me dire hey, Boomer, ça se prononce Raven. T'inquiète. Tiens, El Loco du 35, et toi? Oh là, lui. Y'a pas de bouclier là, déjà, j'aime pas. Le crosshair placement est pas bon. Y'avait un drone devant lui. Non, c'est un drone ou un mute à gauche. Tu fais rire ma fille quand tu chantes, c'est ouf ça, MDR. Elle a quel âge? Je demande. Ça me... Elle a 3 ans. Alerte psychopathe. Regarde, maman. Mon humour convient à des gosses de 3 ans. Oui, absolument. Donc, tout l'auditorat de Jules. Allez, bam, la petite blague de 2012 qui repasse. Au moins, on a trouvé quelqu'un qui rigole à ton humour. C'est rare. Mais je t'emmerde. Mec, tu t'appelles le mec de Weshden. Tu te rends compte? Avant de me parler, que ton pseudo, c'est le mec de Weshden. On est bon ou pas? Et on va retourner sur Sotix, du coup. Vas-y, je vais aller les booster un peu. Catwalk et puis Bonjour CS4. Ah. Bonjour. Bonjour. Ça va, ça se passe bien, vous êtes concentré là? Non. C'est complexe. Hein. Non, parce que je voulais juste vous dire, il y a 787 personnes qui sont en train de s'endormir là. Votre gameplay pue la merde. Et toi, coupe le live derrière là, on m'entend en double. Quoi? Elliot. Moi? Oui, je m'entends en double derrière toi. Ah mais le live est coupé hein. Ouais, j'espère Elliot, j'espère. Putain la vache. Ah oui, attends. Sortez-vous les doigts du cul, faites-moi des headshots, faites-moi des trucs de ouf, parce que là c'est vraiment dégueulasse. On se fait chier, on s'endort, l'autre pendant 3 heures il a regardé un mur quoi. Jaeger, putain la vache, let's go. Je veux voir des headshots, je veux voir des trucs de ouf moi. Ok? Promettez-le moi. Ok, c'est bon, ouais. on va le faire. Oh, merci. On va le faire. Et vous c'est pareil, sortez-vous les doigts du cul, votre... C'est nul. Allez, let's go, level up. 1, 2, 1, 2. Je vois pour Vinas qui regarde le live là. Quoi? Mais il est dans le vocal. Mais je suis dans le vocal. Il est loupé. Ah. Oh lolo. Je suis désolé. Oh le cul de bigorno. Oh, sortez-moi des headshots là. Faites-moi des trucs de ouf. Vas-y mais oui mais. Oui qui? Je suis stressé. Oui proviseur. Oui, mais monsieur le proviseur, nom de Dieu. Putain, oui monsieur le proviseur. Ah là c'est bon, je les ai. Là je les ai. Vous allez voir, ils vont tenter des trucs de ouf. Ouais, c'est propre. Ok, c'est propre. C'est propre pour Sotix, quoi. Mais en face, il faut rien, là. Il y a rien qui est mis en place. On attaque à 3 secondes de la fin, quoi. Tiens, les mecs, merde, je peux pas tous vous prendre sous le... C'est pas possible.
Oh là 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 là, les amis. Oh là là, vous avez noté entre 6 et 7 à 2 trucs près. Ça donne 6,5. Eh ouais. On est en phase. On est en phase, vous et moi. Ok ? On est en phase. Vas-y, on va tester slow là. Vas-y. On va voir. Bandit tricking, on va voir. Propre. Voilà. À droite. Ok, j'aime bien. Ah, du coup, tu vas pas te prendre le thermite parce que le thermite c'est à droite. Ouais, bah, hey. On l'a pas entendu, mais c'était logique. Ok, tu fais ton taf pour le moment, c'est bien. Pas de renfort entre les deux murs là, c'est de la merde. Là, ici, bon, t'avais de la chance, il y avait personne qui était en rappel. Non, le challenge pas. La ligne, elle est pas pour toi, celle-là. Ça, c'est pas une ligne pour toi. Et si c'est la ligne que tu veux prendre, c'est la tête du mec en rappel. Bah oui, nom de Dieu, je te le dis. Mais bien sûr. Non. Ça, je dis non, c'est pas la ligne pour toi, celle-là. C'est pas à toi de le challenge. Et quand bien même tu te challengerais, tu viendrais chercher la tête du mec en rappel. 99% du temps, le mec sera en rappel ici. Il peut pas aller se faxer au fond. Tain. Voilà. Et c'est pas à toi de challenge non plus, toi. En revanche, lui, oui, bah oui, normal. Tu l'as entendu, on a vu son nombre. Donc ça voulait dire qu'il était plus en rappel. Donc il perd son... Bon, laissez tomber. C'est clair, non? C'est simple. Ah, moi, ça me paraît logique. Ok, un peu. Bon, le décalage n'est pas ouf. Désolé, bandit. Il y avait sur le bandit tricking, c'était pas trop mal. Il y avait une logique de cohérence de groupe avec le fait de venir mute, machin, truc. Enfin, pas facile de jouer dans un petit périmètre, forcément. Donc voilà. Maintenant, derrière, non, ce challenge-là, on voit un trou de rota qui est pas super bien fait en plus. Pas de renfort entre les deux. Et on vient de challenge sur une ligne sur laquelle on n'a pas le droit. C'est une ligne, elle est pas pour nous, celle-là. Ou alors, si on le fait, on le fait de façon intelligente. Et surtout pas avec la tête au niveau du trou de rota. À la limite, de l'autre côté, pourquoi pas, tu vois. Vous avez décidé de mettre la note de 4. Je suis descendu à 3,5. Delouis Patrick, merci Tommy, t'es un monstre poulet. Allez. Une volonté de faire un truc à l'extérieur. Pourquoi pas. Ah oui, il y avait que cette volonté-là. Les autres cams, on les avait pas mises. Ouais, doucement quand même, hein, ce genre de décal. Il est à la ligne, t'es mort. Ouais. La tête est belle. Mais attention, c'est la façon, le play était pas beau. Sachez dissocier les deux. Hein. Un move V+, un move V- de sa finalité, quoi. Le move était pas beau. Doucement, pourquoi ce mur n'est jamais renforcé, quoi. Il vous reste un renfort en plus, les mecs. Voilà exactement la raison et la situation dans laquelle tu te trouves qui explique pourquoi est-ce qu'il faut renforcer le mur de droite, là. Renforcer le mur là, le trou de rota, oui, mais là, voilà, parce que là tu te dis merde. Du coup, t'es obligé de jouer dans un tout petit périmètre. Pas mal ça. Le spray était pas dégueulasse, on va dire. Ouais, pourquoi s'avancer? Là aussi, parfois il faut aussi respecter l'attaquant et se dire que foutu pour foutu, en sachant qu'on est dans un endroit où on est foutu, bah le truc qu'on peut faire c'est quand même gagner du temps. Il aurait pu rester allongé. S'en foutre des mecs qui poussent le T1. The Pride, motherfucker. Attackers are activating the bomb diffuser. Swap it, Max. Fais pas trop de bruit. Ah ouais, tu te donnes là. L'autre il va se replacer du coup. Et derrière toi, voilà. Si tu fais pas trop de bruit, tu lui laisses le doute. Bon, c'est pas grave. Super C4, ouais. Je peux pas dire super C4, il était drôle le C4 plutôt. La situation qui a amené ce C4 était relativement comique. Et au final il s'en sort bien, voilà comment on peut dire. Mais je pense pas qu'on puisse dire super C4.